Le comédien est sur scène en compagnie de l'ingénieur du son. 1, 2, 3. Nous ferons un deuxième essai de voix. 1, 2, 3. Souhaitez-vous un peu d'écho? Il dit, je n'en sais rien. C'est comme vous voulez. La salle est entièrement vide. Des centaines de sièges en bois le fixent avec le silence d'une fosse commune et le convient à partir ou à se joindre à eux. Il opte pour la deuxième solution, choisit un siège au milieu de la salle et s'endort. Le metteur en scène le réveille pour un dernier filage. Il remonte sur scène, improvise un long acte. Il lui plaît de s'adresser au siège vide et que seul le metteur en scène l'applaudisse. Puis, il improvise à la perfection un second acte. Le soir, le rideau levé sur une salle comble, il se présente rassuré par le silence. Mais face au premier rang, il se revoit assis et en est perturbé. Il perd le texte écrit. Le texte improvisé s'évapore. Oubliant le public, il se contente d'un test de voix. 1, 2, 3, puis il reprend. 1, 2, 3, jusqu'à perdre connaissance devant une salle croulant sous les applaudissements.